Yo, les mecs, la liste définitive est là. La liste est là. Rigor a sorti la liste. La liste définitive des Lions qui vont participer aux deux matchs contre le Kenya et contre le Burundi. La liste est là, frère, de ouf. Très bonne liste, les gars. Je suis fou de joie en fait. Rigobert, j'ai comme l'impression qu'il a écouté, il a lu tous les commentaires, il a écouté toutes les lamentations des Camerounais, les mecs. C'est fou en fait. C'est fou, Mukundi à la maison, Mukundi finalement à la maison, les frères. C'est vrai qu'il y a encore son ami Bison est encore là. Et il occupe la place de qui? La place de qui? La place de Sacha Boué. Ok? Christopher Wu a été maintenu. Je suis content, je suis tellement content. Le petit, il est fort de ouf. Il défend propre. Il est classe 2001, mais il défend parfaitement le petit. Oh putain de merde. Je suis content de ouf. Et puis Aboubakar Vincent, il est retourné blessure. Maintenant, on ne sait pas s'il est à 100% ou pas. Ça, on va le vérifier. Frère, je suis très content de la liste. La liste, elle est une liste de ouf. Bon, on se calme, on se calme. Allons un peu voir la liste. Allons un peu voir la liste. Au niveau des gardiens, bon, André Onana, c'est le top. Voilà, il n'y a rien à dire. Et après, il y a Simon et Passy Davis. Bon, moi, personnellement, en fait, je vous donne mon avis. Hein. Au moins, j'aurais aimé qu'on appelle Fabrice Ondoa. J'aurais aimé qu'on appelle Fabrice Ondoa, au moins, comme troisième gardien. Juste, voilà, question de lui donner un peu de visibilité et tout et autres pour relancer sa carrière. Mais bon, après, je supporte la décision de Rigo. Hein. Moi, je suis avec Rigo Berson à ce niveau-là aussi. Parce que, voilà, c'est une nouvelle génération. Autant mieux faire avec ce qu'on a, avec la nouvelle génération. Laissons la vague évoluer ensemble, en fait, grandir ensemble. Bon. Ok, ça, c'était au niveau des gardiens. Maintenant, pour les défenseurs, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment eu de changement si ce n'est Mukundi qu'on a laissé à la maison. Finalement, Mukundi à la maison. Oh les mecs, je suis content de ouf. Je suis content de ouf. Christopher Wu est là. Christopher Wu est là, monsieur propre. La défense, voilà. Après, il n'y a pas grand changement. Il y a Faye Collins, il est toujours là. Ngadegadjui, Castelletto, Yongo Bitolo, Nautolo. Tous les gars sont là. Tous les gars sont là. Enfin. Christopher Wu, je suis très content pour lui. Pardon, donnez-lui quelques minutes de jeu à ce petit. Donnez quelques minutes de jeu à ce petit. Donnez un peu d'espace à ce petit. De ouf, enfin. Après, il y a les milieux de terrain. Le milieu de terrain n'a pas changé. C'est la même chose. Koun et Malon. Bon, Koun et Malon, ok. Zambo Anguissa, ouais, c'est le top. Zambo, c'est le top. Après, il y a Ongla, il y a Cham. Frère, Cham, je suis pas trop ok pour lui, mais bon, après, on va voir ce que ça va donner en fait. On va voir ce que ça va donner. Au niveau des attaquants, bon, il n'y a pas aussi grand changement. Il n'y a pas grand changement. C'est la même liste qu'on avait avant. Donc voilà, sauf qu'Aboubakar Vincent est de retour. On ne sait pas s'il est vraiment en forme. On va essayer de voir parce qu'on a annoncé il y a de cela un mois qu'il s'était blessé en club et qu'il serait KO pour toute la fin de l'année. Là, je le vois dans la liste. Ça me fait penser que alors peut-être il aurait déjà récupéré et tout et autres. Donc là, on va voir s'il entre au stade ou pas. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Sinon, après, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Toko Ekambi, Aboubakar, Sonny Kevin. Sonny Kevin, ça, c'est un nouveau. Tawamba, frère, Tawamba. Ah. Bon, après, on n'a pas trop d'autres, on n'a pas d'autres options en fait. Tawamba, il fait chier, mais bon, on n'a pas d'autres options. Espérons seulement que Aboubakar Vincent soit au top, les mecs. Espérons qu'il soit au top. Et voilà, la liste est bonne, la liste est bonne, la liste est propre. La liste est propre. Je suis d'accord avec la liste, au moins c'est à 98%. La liste est bonne. Donnons un peu le temps à Rio Berson de faire introduire certains joueurs. Il a besoin un peu de temps. Mais c'est déjà bon, c'est le travail qu'il a fait en défense. C'est vraiment très bon. Je suis content de cette liste. Et voilà, espérons que ces gars-ci vont nous faire rêver. Et espérons que d'ici avant le début de la Coupe du Monde, qu'ils puissent encore peut-être insérer un ou deux noms. Voilà les gars, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous portez bien, on se retrouve pour une autre vidéo. Bye.